Grégory Nongadbois, profession acteur pensionnaire de la Comédie Française, César du meilleur espoir masculin en 2012 pour son interprétation dans Angèle et Tony, il vit son premier FIPA. Eh ben c'est super, je découvre, j'étais jamais venu. Voilà, c'est super. Ce mercredi 22 janvier, Grégory Gadbois a rencontré son public, un débat en partenariat avec l'ADAMI, la société qui défend des artistes, mais pas seulement. L'ADAMI, c'est une société de perception de droits des artistes, puisque à chaque fois que vous diffusez une œuvre audiovisuelle ou de la musique, non seulement les auteurs, mais les artistes et les producteurs ont droit à des droits. L'argent, il y a une partie très importante de cet argent, c'est en aide à la création. Il y a à peu près 12 millions d'euros par an qui servent en aide à la création, à la diffusion et à la formation. Grégory Gadbois est à Biarritz pour présenter un classique de la science-fiction, Les fleurs pour Algernon, qui est en compétition. Il joue le rôle de Charlie, qui n'a que 68 de QI.